Salut, c'est toujours Franco. Voilà, vous savez, je me donne le devoir de sensibiliser mes frères. Parce que vous savez, tout le monde se jette sur les réseaux sociaux, tout le monde veut manger l'argent sur les réseaux sociaux. Mais c'est bien, mais en même temps, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, le point d'aujourd'hui, c'est quoi? Comment faire pour avoir la visibilité sur Facebook, YouTube et tout le reste des plateformes? Quand tu as déjà ta chaîne YouTube ou Facebook, si tu veux avoir, si tu connais à créer des contenus, parce que le tout n'est pas d'avoir la chaîne ou bien la page et également les contenus, mais il faut savoir exploiter ces contenus. Si tu as assez de moyens, je te conseille de contacter un community manager. Le community manager, c'est celui-là qui vient donner la visibilité à ta page, permet à ta page, donc permet aux gens de découvrir ta page. Ils ont des techniques qu'ils mettent sur pied, ils ont des paramètres qu'ils font sur ta page et ils bossent certains trucs pour rendre ta page publique, populaire, assez populaire. Vous allez constater qu'il y a certains influenceurs, il y a certains gars qui ne font presque même rien dans les choses qui n'ont même pas de sens. Mais ils ont tellement de vues, ils sont tellement suivis. Mais il y a certaines personnes qui font tellement, qui ont tellement de bons contenus, qui font tellement de bonnes choses, mais ils ne sont pas vus. Ils ne sont même, personne n'est même au courant d'eux parce que la communication n'est pas bonne. Il faut quelqu'un qui va faire leur, qui va booster leur communication, va booster leur image. C'est ça le rôle du community manager. Cependant, si tu es pauvre comme moi, parce que moi, quand je me lance sur les réseaux sociaux, honnêtement parlant, les gars là demandent l'argent, ils demandent, parfois tu vas te mettre sur un autre community manager, il va te demander les 80 000, les 70 000 le mois. En un an, tu vas te trouver les 1 million et plus. Vous comprenez? Maintenant, si tu n'as pas assez de moyens comme moi, comment j'ai fait pour me retrouver à ce niveau où je suis? Sachez que ce n'est pas chose facile. Il faut d'abord dire au revoir au sommeil. Quand tu dis au revoir au sommeil, maintenant, tu as ta chaîne. Tu as ta page. Vous voyez par exemple un exemple, voici, nous sommes appelés la canne. Quelqu'un qui a sa page Facebook, comment attirer les gens sur ta page Facebook si tu n'as pas seulement, tu veux travailler toi-même? Comment attirer donc les gens? Premièrement, tu devais commencer, même maintenant il ne se fait pas tard, tu peux commencer par les cas de financiers. Tu présentes les séquences les plus fortes du football. Tu coupes les moments forts, même les moments des buts. Tu viens, tu découpes, tu colles, les moments forts. Donc tu es à l'heure. Donc dès qu'un match fini, tu as dirigé, il faut être parmi les premiers. Tu diffuses même comme par exemple le combat de Francis Ngannou là. Tu coupes les moments forts, tu découpes, tu racoles. Ça te donne peut-être un truc de 2 minutes, 3 minutes. Pour un début, il faut faire beaucoup de trucs, 1 minute 30, 2 minutes maxi. Quand tu as encore tes débuts. Donc tu fais les petits trucs de 2 minutes, 3 minutes maximum. Tu postes sur ta page. Et maintenant quand tu postes, tu dois être dans les groupes. Même si tu n'es pas dans le groupe, crée. Donc envoie les demandes dans plusieurs groupes. On va valider. Maintenant, quand tu es dans les groupes, quand tu poses la vidéo sur ta page, tu as une option là en bas, partager. Tu cliques sur partager, ça va s'ouvrir un autre volet là, partager dans les groupes. Tu ouvres, ça va te présenter tous tes groupes où tu es dedans. Tu partages dans les groupes, tu copies le lien, tu reviens aussi. Même tu peux toujours cliquer sur partager là. Tu vas voir WhatsApp. Partager plus, tu vas dans ton WhatsApp, tu partages dans tes groupes WhatsApp, tu partages partout, tu passes tout ton temps à partager, tu demandes à tes amis de partager, tu demandes à tes proches, ton épouse, tes enfants, tout le monde, on passe tout le temps à partager. Au fur et à mesure, quand les gens vont regarder la vidéo, quelqu'un va regarder ta vidéo 2, 3, 4, 5 fois, il va commencer un peu à avoir. Le gars, s'il peut être intéressant, hein, c'est que quelqu'un à un moment donné, il va le voir. Celui qui n'a pas eu le temps de regarder le match, lui, c'est que chaque fois qu'il vient sur ta page, il peut cliquer sur tes trucs, il voit les séquences, il est lui satisfait. Donc voilà les plus techniques. Ça, c'est juste un exemple. Vous pouvez créer, il y a autant de trucs. Vous pouvez prendre, il y a peut-être les trucs des comédiens, mais il y a parfois les directs. Vous pouvez partir sur les directs des gens, vous coupez, vous avez vu les gens sur YouTube. Ils n'ont pas le potentiel, le talent pour faire les collabos bavarder comme nous là. Donc eux, ils partent seulement, ils coupent. Il coupe une petite partie seulement qui chauffe. Il vient, il coupe une autre personne, il colle, il balance. Il a ses vues, il publie. Vous comprenez? Donc c'est ça. Voilà les petites stratégies que vous devez mettre sur pied pour avoir la visibilité. Mais vous, si vous pensez que vous allez faire des vidéos, mettre, ouvrez les yeux comme ça, regardez votre chaîne pour que ça monte. Les gens viennent s'abonner, vous mentez. C'est le travail. Quand vous n'avez pas le community manager, ha!
il faut vous mettre au travail. Donc pour ceux-là qui viennent, ils pensent qu'ils vont courir seulement venir sur Facebook comme ça là, regarder les gens, parler, regarder les gens. Les gens vont venir s'abonner là, vous mentez, ça ne se passe pas comme ça. C'est tout un processus, c'est tout un boulot. Vous avez compris, non? Donc à bientôt pour une autre seconde partie. Je suis là pour vous sensibiliser. Et c'est grâce à vous que je suis ce que je suis et je suis fier de vous. Si j'ai réussi à arriver au niveau où je suis là, comment ne pas aider les autres? Parce que Patrick Kenyekam, qui a lancé les formations, c'est lui aussi qui m'a formé. Bon, la formation ne suffit pas. Il faut te former et il faut aussi beaucoup travailler sur ta plateforme. On est ensemble et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, bye bye. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.